Bonjour. Je remercie Facebook parce que nous pouvons partager nos pensées nocturnes. Je peux déposer mon empreinte ici et à 10 heures, quelqu'un va venir écouter. J'ai un autre message pour vous. Ce que vous faites actuellement comme business ou activité, vous êtes encore à 8 business de votre milliard. Explique. Vous avez encore 8 activités par lesquelles vous devez passer pour tomber sur ce que les ancêtres avaient prévu pour vous. Je vous ai toujours dit, il y a beaucoup d'argent là-dehors. Beaucoup. Et votre activité, vos activités, premièrement, les activités les choisies, ce sont les activités par lesquelles tu apportes de la valeur aux autres. Et en même temps, ça te rend riche. Tu apportes le bien-être. Tu soulages le quotidien des gens. Et ils te supplient pour te donner l'argent. Je suis en train de vous préparer pour recevoir votre prochain business. Et c'est quelque chose qui va venir de façon subtile. Genre, j'ai toujours vu les gens faire ça. Je ne savais pas que ça donnait l'argent. Ce que vous faites actuellement, que ce soit un salaire que vous avez à partir d'un boulot, que ce soit une petite activité ou une grande activité, le milliard euros, Cameroun, de francs CFA, dollars, peu importe. Vous serez milliardaire. Ce milliard que vous allez toucher, ce ne sera pas dans le business dans lequel vous êtes actuellement. Un beau matin, vous allez vous lever. Les ancêtres vont vous dire, arrête ça. Je peux me lever un matin et me dire d'arrêter de faire les vidéos Facebook. Ou d'arrêter de faire. J'arrête. Tu dois faire ce que tu connais faire du mieux de tes capacités pendant le maximum de temps possible, jusqu'à ce qu'on te montre autre chose à faire. Bonjour, la reine Eugénie. Parce que nous sommes tous
comme des élèves sur un cheminement, sur un parcours. L'enfant dit, maman, maman, je veux préparer avec toi. Tu vois qu'il ne peut même pas tenir le couteau. Tu lui dis, va laver les pommes. Après, il rentre, j'ai fini. Tu lui dis, épluche l'ail. J'ai fini. Apporte-moi lui. Pendant ce temps, l'enfant est en train de grandir. L'enfant s'habitue à écouter ta voix. Ça, ce n'est pas les coups pour les petits-petits là. Ce n'est pas les coups des enfants ici. Ce sont les conversations nocturnes. À un niveau, l'enfant tient le couteau. Shalom Shaddai, je n'ai rien contre toi. Je ne sais même pas qui tu es. J'ai laissé mes téléphones à mes secrétaires. Donc, si tu passes, je n'ai rien contre toi, Shalom Shaddai. À un moment, tu prends le couteau. Il y a même l'étape où tu donnes le couteau qui n'est pas tranchant à l'enfant. Tu lui apprends à couper, à maîtriser d'abord l'outil. Il y a le couteau en plastique, non? Après, l'enfant dit non, je veux le couteau, je veux le couteau. Tu vois, si tu sais que si tu prends le couteau qui est tranchant, tu mets dans la main de l'enfant. Vous allez vous retrouver à l'hôpital. Quand l'enfant peut déjà s'habituer à couper, avec le couteau en plastique, et il se rend compte que souvent quand il fait un peu comme ça là, le couteau en plastique, c'est là, ça me fait un peu mal. Ça ne te blesse pas encore. Tu lui donnes le fromage, il coupe. Tu lui donnes, il coupe petit petit, tu lui coupes. Tu peux lui dire que mets la tomate ici, mets les oignons là-bas, mets ceci là-bas. Il part chercher tout ce dont tu as besoin quand tu fais à manger. Il vient, il dépose. Il connaît le processus. Quand je fais mes lavages et mes guérisons au Cameroun, je gronde beaucoup mes employés parce que j'ai comme l'impression qu'ils ne comprennent pas. Tu peux pas être avec moi chaque jour pendant 2 mois. Je fais des lavages 3 à 4 fois par semaine. Tu connais tout ce que j'utilise. Tu sais que quand elle lave, je fais comme ça, après je mets ça, après je mets ça, après je mets ça. Après la personne part dans la salle, après il sort, je fais comme ça. Tu es encore avec moi. Quelqu'un arrive aujourd'hui, il dit qu'il faut laver la personne. Tu pars, tu oublies quelque chose. Ça veut dire que tu n'es pas qualifié pour avancer. Et puis il y a le beau jour, il y a ce jour où l'enfant arrive. On a déposé le couteau sur la table. Je ne sais pas si c'est Urich. Urich, actuellement, là, ce n'est pas tout le monde qui veut me joindre, qui arrive à me joindre vraiment. Comme tu as vu là, je ne parle pas moi avec n'importe qui. Très difficile de me joindre. Et qu'on apporte tous les outils, donc tu as tous les outils. Là, tu comprends que tu es entré dans le business de la cour des grands. On peut venir te donner 100 millions de francs CFA. Tu peux faire un rêve la nuit. Tu te réveilles à 3 heures. Dieu te met une idée dans la tête. Tu peux vider ton compte bancaire.
Tu investis sur l'idée que les ancêtres t'ont donnée dans la nuit. Il vous a dit que je dois vous préparer. Bonjour le roi Wafo. Je suis pas dans votre vie. Je ne suis pas. Je suis là dans votre vie. Je vais vous prendre de là où vous êtes. Toutes vos peurs vont tomber. Vous allez apprendre à maîtriser l'argent. Tu vas te lever le matin comme ça. Tu sauras où tu vas aller, ce que tu dois faire pour avoir 10 millions aujourd'hui. Tu te couches encore la nuit, tu dors. De 4 heures, tu as encore un autre rêve. Les ancêtres te montrent, ils te guident. Ils sont, je vous montre les témoignages chaque jour, non? S'ils peuvent venir dans le rêve te montrer comment ils t'ont délivré. Comment on est parti déterrer les choses dans la concession familiale. Ça ne peut pas les dépasser de te montrer ton nouveau business que tu vas faire demain. Comme on dit en anglais, she is real. La fessie est réelle, c'est pas la blague. Moi, j'ai toujours su que je partais quelque part. Ce qui fait que quand mon gars est sorti avec quelqu'un, on se sépare là. On sait le chantage émotionnel. En disant au revoir à la personne, même si je dois serrer mon cœur, même si je dois prendre mon cœur comme ça, je mets les menottes sur mon cœur, je l'attache dans la chambre. Quand il peut me balader le matin là, je laisse le cœur dans, mon cœur dans la chambre. Je rentre le soir, je guette. Il dit, tu t'es calmé. Il fait, je le laisse encore là-bas. Il dit que tant que tu ne te calmes pas, on n'enlève pas les menottes sur toi. On ne te remet pas dans ma poitrine. Ouais, je ris le matin. Ah. Bonjour la reine Aïcha. Après quelques jours, quand tu rentres, le cœur est calme. Tu le touches comme ça là, il ne bouge plus. Tu le touches. Tu dis, cœur, tu t'es calmé. Il te regarde comme ça là. Il dit, oui, je suis calme. Tu dis, c'est bien ça. Well done, cœur. Tu sais qu'on va dans de grands endroits, non? Il dit, oui, j'ai compris. Pas, tu le laves. Tu fais un bain de sel sur lui. Tu le prends maintenant. Tu l'habilles bien. Tu le remets dans ta poitrine. Ah, je vous ai dit que parfois, vous devez apprendre à écouter. Le téléphone, c'est flou souvent. Les ancêtres te réveillent à 2h30, 3h. Tu es debout. Tu t'assois sur le lit. Il commence à te parler. Tu vas aller habiter dans tel pays. Tu vas investir dans les cryptos. Deux instructions, c'est tout. Avant, quand on parlait de étudier quelque chose, ta tête bouillonnait. Parce qu'on avait travaillé sur ta tête comme ça. Donc, on avait volé ta sagesse. La reine Erika. Moi, je parle, mais j'ai des métaphores. Hein. J'ai beaucoup de métaphores. N'aime pas tout ce que tu aimes qui est bien pour toi. Quand ils t'ont parlé comme ça,
deux semaines avant ça, un mois avant, tu avais appris. Tu as appris à utiliser les pierres pour rééquilibrer ton énergie. Tu as appris à faire tes bains. Tu as appris. Tu t'es levé un beau matin à Paris comme ça. Les ancêtres te disent, va au Cameroun. Pour Cameroun, tu passes 5 jours de restauration, de guérison. Il y a les moments clés de ta vie où tu restes comme ça, tu fais certains rêves. Tu sens que le message de ce rêve, c'est un tournant dans ma vie. This is a turning point for my life. I'll never be broke again. Je serai plus jamais pauvre. C'est ce que j'ai vu dans le rêve là. Ce que les ancêtres m'ont montré dans le rêve. Ne simplifiez pas vos rêves. PS, ne venez pas commenter pour dire je ne me rappelle pas de mes rêves. J'ai oublié mes rêves. Je n'ai rien à foutre que tu oublies tes rêves. Moi-même, j'oublie souvent mes rêves. Bonjour la reine Kamga. Je suis bénie, je reçois. J'aime quand vous me bénissez. Je suis d'abord la bénédiction. I am the blessing. Donc quand vous me bénissez encore, j'arrive au restaurant hier matin. J'avais mis ma couronne. Intuitivement, la dame qui servait était au buffet. Elle dit bonjour ma princesse. Quand elle m'a dit ça, quelque chose a tressailli en moi. Je dis oh, merci. J'aime quand on me rappelle cela. Merci. Ouais, quand on entend, on se lève pas brusquement. C'est ça. On ne se lève pas brusquement. Vous êtes dans une saison où ils vont faire. Dans la Bible. Dans la Bible. Genèse 15. C'est pour ça que quand vous partez au village pour faire votre travail. Ceux qui viennent au Cameroun pour le travail là. Mettez au moins 3 jours. 3 à 5 jours pour travailler avec moi. Parce que quand ils travaillent la nuit, ils vont venir. Premièrement, il y a des anges qui travaillent sur vous encore la nuit. Quand vous êtes chez moi. Deuxièmement, ils vont venir vous parler la nuit. Il y a une dame qui est venue l'autre jour. Première nuit, je lui parle de son père. Elle ne le voit pas. Voilà, il est décédé. Ok. Pourquoi mon père ne me parle pas? Pourquoi mon père ne me parle plus? Deuxième jour, on travaille sur elle. Dans la nuit du deuxième au troisième jour, elle est encore en train de dormir chez moi. Son père vient en rêve. Et que l'endroit où tu es là, c'est un bon endroit. Le travail que tu es en train de faire, c'est en train de marcher. C'est la même personne qui a témoigné hier, disant qu'elle a une vision, on a enterré les choses dans son pied. Dans la vision, elle et moi, on est partis déterrer les choses dans la concession de son père, de la femme, de la deuxième femme de son père. On allait au village chez eux pour tirer les choses. Genèse 15, Abraham. Je vous rappelle qu'Abraham n'avait pas de Bible. Donc Abraham s'est levé aussi le matin comme ça. Il est dans le lit avec Sarah. Jérôme, il fait un rêve dans la nuit. Il se réveille. Et il y a parfois des rêves lucides que vous faites. Quand vous vous levez, surtout quand vous allez commencer à bien vous nettoyer au sel, purifier avec les pierres. Vous allez voir qu'il y a des moments, quand vous allez vous réveiller, vous levez de votre sommeil. Les 10 prochaines minutes, vous serez encore dans un état
de transition. Ils vont continuer le message. Ils vont vous montrer là où il y a les trésors cachés. Les business que les gens n'ont pas encore commencé à faire. Ils vont vous rappeler les choses que vous aviez oubliées. Ils vont pointer clairement ce que vous devez faire. Là où vous devez faire. Oh, la reine Kadia, tout, je vais bien. Abraham se levait le matin. Comme le jour il est parti pour tuer Isaac. Où il a eu l'idée là que dans le rêve. Oh. Quand tu as le genre de mari là, tu dis seulement merci Seigneur. Il se levait le matin, tu prends notre seul enfant, tu veux aller le tuer. Abraham ne mettait pas le cœur. Quand les ancêtres lui disaient fais ça, il partait fais ça. Alors voilà qui se levait le matin. C'était avant de concevoir Isaac. Le Seigneur lui fait une promesse. Behold, I am your great and exceeding reward. Je suis ta récompense. Genèse 15, versets 1 et 2. Abraham dit, comment est-ce que tu seras ma récompense, Seigneur? Je n'ai pas d'héritier. Vous croyez qu'Abraham faisait des conversations avec qui? Très tôt le matin, il s'est réveillé. Il s'asseyait. Il notait les instructions qu'on lui a données dans la nuit. Ils vont vous guider par votre sommeil. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Dans la Bible, les gens écoutaient beaucoup leurs rêves. Jésus a été sauvé par les rêves. Sinon, Jésus serait mort. James, ce n'est peut-être pas le moment. Si tu veux revenir à l'ordinateur, tu sais qu'avec eux, quand la saison arrive, ça se fait naturellement. Il y en a parmi vous, vous avez voulu étudier certaines choses ou faire certaines choses. Mais spirituellement, vos familles vous avaient bloqué. Donc Dieu vous amène dans un processus de purification qui va d'abord vous désenvoûter, qui va recharger votre énergie. Ce qui fait que quand vous repartez pour faire ce que vous auriez pu faire en 5 ans, vous faites ça en 6 mois. Donc Abraham fait ses... Il s'est dit, Seigneur, je ne sais pas, dis-moi. Tu m'as fait une promesse. Dieu lui dit, il lui donne les instructions pour faire les offrandes. Tu as pris ton émoticône, tu es où? Et là, Dieu lui dit, apporte-moi. Attendez, je vais allumer l'ordinateur. Je vais regarder ça en ligne. Oh yeah. Je vous ai dit, vous n'allez pas la comprendre, la Bible. La Bible n'est pas savoir ce que vous pensez là. Oh my God. C'est normal que je baille. Parce que le milieu de la nuit. So live your life. You keep on talking, people are talking. So you live your life. Oh, wait.
Genèse 15. Pour être honnête avec vous, c'est normal que je bouille. Je suis en paix avec moi-même. J'allais pas que j'ai bien dormi, mais je vais encore aller dormir. Et le crédit du sommeil. Oh, James, j'ai toutes les chansons dans ma tête. Oh, je mets interdit. C'est connecté. Monsieur le roi Franck, donc je n'ai pas de représentant à Dubaï. Donc si vous avez quelqu'un qui vient là-bas, la seule façon dont je peux vous envoyer les choses, vous avez compris, non? Je cherche Genèse 15. Renouvellement des promesses à Abraham. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Un dit la parole là, les ancêtres ont parlé à Abraham. Il s'est réveillé un bon matin comme ça, là, quelque chose lui a dit dans son cœur. N'aie pas peur, Jocelyne. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande, Jocelyne. La Bible, c'est pas seulement pour les pasteurs. Et là, Jocelyne dit, Seigneur, Éternel, qu'est-ce que tu vas me donner? J'ai à l'enfant. Mais Abraham m'a dit, je n'ai pas d'enfant. Je suis sans héritier. Et l'héritier de mes biens, c'est Éliézer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné d'enfant. Et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Et il dit, que God forbid, Seigneur. Et là, verset 4 jusqu'à 6, Dieu fait son. Il donne encore une promesse à Abraham. Et l'Éternel lui dit, verset 7, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Beaucoup d'entre vous, quand Dieu va commencer avec vous, il va vous prendre d'un endroit. Il est en train de vous amener. Écoutez, les ancêtres connaissent là où ils sont en train de vous amener. C'est pour ça qu'il vous a dit que vous devez vous. You have to be accustomed to hear the voice. Vous devez vous habituer à écouter leur voix. Je vais lire ça après, je vais vous lire Matthieu. Comment Joseph a écouté la voix des ancêtres. Abraham dit, Seigneur, éternel à toi, à quoi reconnaîtrais-je que je posséderais tout ça? Comment je vais savoir que je serai milliardaire, Seigneur? Il n'y avait personne d'autre, il n'y avait que lui et les ancêtres. Il n'y avait que lui. Verset 9, l'Éternel lui dit, Genèse 15, verset 9, prends un génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. Une tourterelle et une jeune colombe.
Star Lily. Je suppose que tu m'as vu dans ton rêve et qu'elle qu'elle veut te soigner. Tu n'es jamais venu prendre un de mes produits, n'est-ce pas? Vous m'amusez. Ce sont les ancêtres qui vont parler. Moi, je suis comment. Bon, continuons. Vous dites qu'ils vont vous parler dans les rêves. Quelqu'un dit parfois que j'ai rêvé de toi, tu m'as soigné. Je dis, tu fais quoi encore là-bas? Tu n'es pas venu me voir, pourquoi? Ce n'est pas moi qui t'ai dit de venir me voir. En tout cas, laissez. Continuons. Bon. Abraham a pris ses animaux, il les a coupés par le milieu. Donc, il a pris le couteau, il a coupé. La chèvre, il a coupé. Je vais chercher ce que c'est que le génisse. Ouh, un génie, c'est... Regardez. Voyez ce que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier? Je vous parle des sacrifices chaque jour, je vous ai dit, vous faites le bup-bup. Tout est dans la Bible, hein? On vous éduque pas à l'église. Chaque fois que je lisais ce passage, je n'avais pas encore vu le... Voilà le génisse. Donc Dieu a dit à Abraham de prendre ça là. Y avait la tourterelle, tout ça. Ça, ce n'est pas la poule. C'est la poule, non? Aïe, aïe, aïe. Réflexion nocturne de Jocelyne. Voilà ça, non, tout est règle. C'est ça. Le mot aussi. Donc, Dieu a demandé à Abraham de prendre. Regardez. Prends un bœuf, une sorte de petit bœuf ou ben, une vache. Donc les ancêtres parlent à Abraham la nuit. On lui dit d'aller prendre la vache, la chèvre, le mâle de la chèvre. Non, non. Le mâle c'est le bouc, le bélier c'est le bébé. En tout cas, vous voyez de quoi je parle. Et de prendre la poule. Et une jeune colombe. Excusez-moi si j'ai ri. Ouais, Seigneur. On vous a menti à l'église. Voilà la tourterelle, c'est la poule. Donc Dieu a dit de prendre l'autre aussi. Comme vous ne connaissez pas la colombe, je vais mettre la colombe blanche. Le pigeon, c'est pas la poule. Ah, shoot. Il y a que le sommeil dans les yeux. Ça, ce n'est pas la poule blanche. Ça là. Quand Jean-Baptiste avait lavé Jésus, quand Jean-Baptiste avait fait le lavage de Jésus, il avait dit à Jésus d'apporter la poule blanche. Le lavage qui a ouvert le business de Jésus. Star Lélé. Vous n'avez pas besoin de consultation pour prendre mes produits.
Si j'ai 5 000 personnes qui veulent acheter mes produits. Quand il fait les directs ici, il vous explique à quoi servent mes produits. Il y en a qui me suivent, c'est pas des messages. Comment? Si je devais mourir, c'est que je suis à mort. Même seulement en m'écoutant comme ça, tu peux pas mourir comme ça. Et quand vous êtes des gens de peu de foi, excusez ma vie. Mais il a pris un bélier, une tourterelle, une jaune colombe. Abraham prit tous ses animaux et les coupa par le milieu. Il mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Il avait fait une offrande sur un autel. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Parfois, quand on est au village, on fait les offrandes. On va à l'hôtel, on fait tout ce qu'on a fait. Il y a des chiens. Il y a certains chiens-là qui viennent souvent pour manger l'offrande que tu mets à l'hôtel. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'après, on doit déposer le sacrifice au fond et on couvre de cailloux. C'est pour protéger contre les chiens. Quand tu vas venir avec ton offrande, il y aura des Decepticons, parfois sous forme d'animaux, qui vont venir pour manger ton offrande. Donc, quand ils sont venus pour manger les choses qu'Abraham avait déposées devant Dieu, Abraham les a chassés. Abraham n'est pas quitté de l'endroit où il est parti faire le sacrifice. Attendez, je vous montre. Quand vous partez, quand vous venez au Cameroun pour travailler avec moi là, vous devez passer du temps au coucher du soleil ici. Le curseur, c'est là, tu es parti. Voilà. Au coucher du soleil, virgule. Un profond sommeil tomba sur Jocelyne, virgule. Et voici, elle fut assaillie par la terreur. Le curseur, c'est là, tu m'énerves. Par la terreur et par une grande obscurité. Point. L'Éternel dit à Jocelyne dans son sommeil. Ding dong. Il a fait un sacrifice. Et dans le rêve, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Il est en train de rêver. Et c'est dans la Bible. Négligez vos rêves. Vous allez lire le. Il parle de sa descendance. Donc ça, c'est le genre de rêve clé. Que tu vas, toi, tu vas voir ça. Toi, tu vas aller ici. Après, maintenant, quand tes enfants seront grands. Donc, Dieu est en train de donner une prophétie sur 400 ans. Pensez que si Dieu a parlé à Abraham, il ne va pas me parler. Vous avez menti. Malaï. Quand il fait mes choses, je dis toujours à Dieu que. Tu as fait pour Abraham, tu as fait pour moi. Tu as fait pour Isaac, tu as fait pour moi. Tu as fait pour Jésus, tu as fait pour moi. Donc, on va aller dans Matthieu. Je vais encore montrer comment les rêves. Bonjour Beauty.
Matthieu 1. Donc on a Joseph. Et Dieu va vous aider. Tu as de la peine à laisser un homme partir de ta vie. Oh purée. Oh Seigneur. Il faut que tu dormes encore ta peine sommeil jusqu'à 9h. D'aller finir vite. Matthieu 1, verset 20. Donc Joseph pense que Marie l'a trompé. Comme il pensait à quitter Marie, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve. Ici. You see, here. Dans un rêve. Il dit, Joseph, les enfants de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour une femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Tu dors, tu rêves, que quelqu'un est venu te parler dans le rêve. Verset 24, il a eu un long rêve. Du verset 20 jusqu'à 23, on lui parlait. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, ou dans le rêve. Et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né. Voilà. Salut, hein, salut à ceux qui se réveillent. Vous ne dormez pas, pourquoi? Oh, Jesus, oh, Jesus is Lord. Verset 13. Je veux d'abord mentionner au verset 10 que les rois mages sont venus parce qu'ils ont aperçu l'étoile de Jésus. Ils ont aperçu son étoile. Attendez, je vais zoomer. Mon boulot, la reine Tagne. Quand ils aperçu l'étoile de Jésus, donc les gens voient votre étoile. Ils sont venus, ils ont apporté leurs offrandes. Ils ont apporté ce qu'ils avaient apporté. Et puis, verset 13. Lorsqu'il fut parti, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, voilà comment vous allez commencer à fonctionner. Ils vont beaucoup vous parler en rêve. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y. Jusqu'à ce que je te parle. Quand apparaît dans ton rêve, il te dit que lève-toi, tu fais telle chose jusqu'à ce qu'il vienne encore te parler. Comment je suis sûr que tu vas encore venir? Oh yeah. Mais les gens avaient la foi dans la Bible. C'est comme ça que je suis là. Parce que ce que vous voyez dans la Bible, là, ça se fait. De nos jours, c'est encore là. De nos jours, ça fonctionne. Après la mort d'Hérode,
après la mort d'Hérode. Peut-être Hérode est mort 10 ans plus tard. 25 ans plus tard. Beauty, de nos jours, il y a toujours des gens qui ont la foi. Hérode meurt. L'ange vient encore dans le rêve de Joseph. Il faut de la foi pour croire que mon ancêtre qui est venu me parler il y a cela 3 ans. Le moment opportun, il va encore venir me donner la directive à prendre. La direction par laquelle je dois passer. Et à chaque fois, regardez encore. Oui. Averti dans un rêve, il se retira. Donc, Dieu lui a parlé, non? Dans le rêve. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et lui dit, lève-toi, je suis en train de lire Matthieu chapitre 2, verset 19. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Comment tu vas savoir que la épouse de ta mère est morte? Tu te réveilles un matin, l'Esprit te dit, pars maintenant au Cameroun. La épouse de ta mère qui voulait te tuer là, elle est morte. Tu dis, hein? Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, dont un Decepticon a mis un Decepticon aussi sur le pouvoir, il a eu peur de s'y rendre. Sa peur s'est confirmée. Parce que dans la nuit encore, dans son rêve, il était averti dans un rêve. Il se retira dans le territoire de Galilée et vint habiter dans la ville appelée Nazareth. Voici la partie qui me plaît. Afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazaréen. Donc même quand on vous bloque, c'était écrit. Vos ennemis vous aident à accomplir la prophétie que le Seigneur a donnée sur votre vie. Bon, voilà, c'est lui des Bibles aujourd'hui. Oh, Seigneur, oh my God. C'est vrai que je suis dans le lit. Mais je sais que mon message... Ah, purée, il faut que je fasse un massage aujourd'hui. Vous serez averti. Les ancêtres ne vont pas vous laisser en chemin. Vous me suivez, non? Le prochain truc qui va vous rendre millionnaire, milliardaire, ils vont vous montrer. Bonjour. Comme c'est la nuit, là, vous n'avez pas partagé mon direct, non? Si quelqu'un dit qu'il aime trop ce qu'il fait, partage ma vidéo. Quand vous aimez, quand vous supplie. Annette.
vous ai demandé de vous laver avec le don, faire vos déclarations et lavez-vous avec le sel. Ça va faire que vous allez me rencontrer vite. Si vous êtes nouveau sur ma page, étape numéro 1, lavez-vous avec le sel. Étape numéro 2, si vous êtes au Cameroun ou bien au Rouge, commandez le kit de déblocage ou le kit de fondation. C'est pas tout le monde qui me rencontre. Il y a une dame là, je l'ai consultée l'autre jour, finalement. Elle me dit que c'est depuis novembre qu'elle me suit. C'est en mars que je lui parle. Elle a même payé le rendez-vous express. On ne s'est pas fait. Elle me dit. Quand elle a essayé de me parler, ça n'a pas marché. Elle a commencé à suivre les conseils que je donne. Elle est dans son pays au Togo. Elle a fait beaucoup de, elle a fait sacrifices. Le lavage du 1er avril, il y a un rattrapage de lavage. Je devais faire le 5, mais il y a encore des gens qui ont leur règle le 5, donc. Ceux qui avaient raté le lavage du premier, on va le faire le 7. Elle dit qu'elle est allée au Togo, elle a même sacrifié un bouc, je pense. Et s'est lavée, elle avait fait des offrandes dans un orphelinat. C'est là qu'elle est revenue. Elle a encore relancé. Voilà, on avait rendez-vous. Annette Nancia. Pour commander, il y a le numéro en haut de la vidéo. Premier rendez-vous qu'on s'est donné avant-hier. J'étais dans une salle de réception. J'attendais qu'on vienne finaliser mon check-in. Dès que la femme passe au téléphone avec moi, on commence à parler. La carte commence à déranger. Le système de l'hôtel commence à déranger. On me pose des questions. Madame, on a besoin de vous. Oh, madame, madame, madame. Finalement, je dis à la femme qu'il faut qu'on se parle tout à l'heure. C'est là qu'elle est remerciée. Elle dit, heureusement que tu étais trop impatiente pour tes choses. Parce qu'il y a des entités qui bloquent. Il y a des gens à qui j'envoie même les produits. Tes produits sont déposés sur ta table depuis 2 mois. Tu n'as pas utilisé. Bon. Continue mes rêves. Passez une bonne nuit. À tout à l'heure.